Donc bonjour, nous allons vous présenter notre projet de parcours immersif que nous avons intitulé Transcendance. Nous avons gardé le titre En route vers l'autre. Lorsque l'on cherche dans le dictionnaire, transcendant indique l'idée de dépassement ou de franchissement, ce qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible. Notre parcours immersif, Transcendance, est un parcours nomade au cœur de la réalité des transidentitaires. L'objectif est de faire entendre les voix de trans à travers le monde, à travers des chemins de vie, donner une visibilité à ces communautés, lever les assignations et les stigmatisations dont elles sont victimes, soulever les questions fondamentales de genre, sexe, identité et droit dans une perspective comparative. En fait, suivre la route des transidentitaires, nous-mêmes, à déconstruire nos certitudes et à interroger notre condition humaine. Comment franchir les obstacles pour devenir qui nous sommes, transcender nos préjugés, la normalité et approcher notre essence. Notre approche essaiera donc d'être sensible, immersive, engagée et basée sur le relationnel et l'empathie. Donc, les objectifs. Donc, je vais vous donner un aperçu des objectifs qu'on a, et puis mes collègues auront le fait donc concrètement dans le parcours de plus détaillé. Donc, on offre une expérience de parcours immersif qui cherche à créer une relation personnelle entre le participant et le sujet. On souhaite vraiment faire comprendre au public cible les réalités qui sont celles des trans, celles des personnes trans. Donc, le parcours immersif sera axé sur des récits de vie et va favoriser de donner la parole aux personnes trans elles-mêmes. Ce faisant, nous souhaitons encourager les participants à avoir un questionnement d'abord sur les questions relatives aux personnes trans, mais même sur leur propre humanité. Donc ça va être axé en quatre phases. Je vais vous donner les objectifs vraiment sommaires des quatre phases. Donc la première qui va être l'espace qu'on a étudié de tremblement. L'objectif sera de déstabiliser et d'immerger le participant afin de l'aider à déconstruire les conceptions préétablies sur l'identité du genre. Par la suite, dans l'espace d'immersion, on va faire vivre la parole trans à travers la mise en scène des récits de vie et on va créer une relation qui va amener de l'empathie chez le participant. Dans le troisième espace de transition, on va favoriser un retour, une réflexion et une discussion. On va chercher dans le fond à calmer le tremblement, peut-être émotif qui a été amené chez le participant précédemment. Puis finalement, on arrive au prolongement dans lequel on va passer l'expérience du domaine personnel vers le collectif afin de sensibiliser aux questions trans d'une autre manière. Et puis, on va vouloir creuser les idées et proposer à la personne des voies d'engagement. Donc, notre méthodologie, l'idée, c'est de créer un groupe de recherche, si possible, international, avec une perspective donc multisituée, sur la condition trans dans le monde, constitué de chercheurs, d'anthropologues, d'associations trans et LGBT et d'artistes trans. La recherche est donc qualitative, basée sur une coproduction de savoir dans plusieurs pays dans le cadre du projet de recherche de M. Doré. D'éducation. Donc, bien entendu, nous nous attacherons aux récits de vie, nous mènerons des entretiens, nous nous attacherons à étudier aussi les archives des différentes associations, à créer des cartographies sociales avec les acteurs. Et à répertorier aussi les œuvres et les artistes trans qui sont dans le monde. Au sein de chaque pays, après un processus consultatif et décisionnaire, une personne trans sera choisie, ou elle se désignera elle-même, pour que son parcours soit mis en scène au sein du parcours immersif Transcendance. Cette personne sera donc co-créatrice de son parcours en collaboration avec un artiste, un scénographe, un chercheur et d'autres personnes ressources. Son parcours sera donc constitué de vidéos, de sons, d'objets, d'archives personnelles et de tous les moyens dont elle aura besoin pour que sa parole passe. Nous avons donc ciblé deux publics cibles distinctifs. Donc le premier étant les communautés trans à travers le monde. Les communautés trans à travers le monde, parce qu'elles apparaissent comme un public vraiment de choix. Ça va soit parce que elles vont être impliquées dans la création, le déploiement et dans l'apport artistique du parcours immersif. D'autre part, on souhaite rejoindre quand même un grand public chez qui on espère provoquer des réflexions, justement quant aux questions de genre, quant à la subjectivité inhérente à ces questions, quant à leurs propres conditions humaines,
et qui peut-être même chez certaines personnes pour avoir des réflexions quant aux questions trans comme les approches queer, etc. Et la diversité des méthodes employées dans le cadre du parcours immersif, ainsi que la collaboration étroite avec les associations militantes trans à travers le monde, c'est ce qui va aider à rejoindre ces deux publics. Pardon. Au niveau de la structure de notre dispositif, si on veut, de notre médiation, on a en fait un parcours immersif qui se situe en quatre grandes salles, en fait, dans le but de vraiment provoquer une évolution de faire vivre en fait, une évolution, un parcours évolutif aux participants. Donc, en premier lieu, on va avoir en fait juste ici un petit sas. Donc, c'est vraiment en fait dans un but introductif. Donc, on va avoir un endroit où on va en fait démystifier les grands mots, en fait, et qu'on va expliquer aussi le vocabulaire qu'on va utiliser. C'est aussi une façon, en fait, de prévenir là, le spectateur, le participant, dans l'expérience dans laquelle il entre. Parce qu'on veut, on va quand même venir chercher quelque chose en lui, le faire réfléchir. Donc, on veut le prévenir, en fait, de tout ça. Et on va, en fait, identifier aussi le vocabulaire. Donc, on va identifier le vocabulaire transidentitaire qui va venir regrouper tout ce qui est transgenre, intersexué. Donc, on va vraiment avoir une diversité aussi de parcours. Donc, ce petit sas d'information préparatoire à l'expérience qui sera vécue nous mène à la salle du tremblement ou l'axe déstabilisé. Donc, l'intention ici est de toucher le participant et de déstabiliser sa perception. Vous avez donc une géode à la voûte fracturée. Un artiste vidéaste créera un montage artistique à partir des vidéos des différents acteurs des parcours, donc de la seconde étape, rapprochement. Ce sera un film tel une peinture qui emplira les murs, le sol, la voûte fracturée. Des faisceaux nous traverseront, éclateront, le film tournera, mouvance, jeu de profondeur et d'aspiration. Les voix des acteurs des parcours multilingues émergeront de partout, tel en opéra. Quelques phrases clés seront dans la langue du pays dans lequel nous serons. Des amplis seront placés au sol, sur les parois, suspendues, provoquant ainsi des vagues de sons qui nous envelopperont, nous agresseront, nous murmurerons, de la confession au cri. Des jeux d'intensité, donc des identités fracturées, torturées, des corps en chantier dans un système immersif à 360 degrés. Cette immersion durera environ 8 à 10 minutes. La vidéo se réduira jusqu'à marquer 6 parcours, 6 portes différentes, et les voix deviendront locales. Le participant devra donc faire un choix devant chaque porte. La porte, une fois fermée, ne pourra plus s'ouvrir. Ce sera son choix, malgré lui, son engagement. Il deviendra donc responsable d'un parcours trans et devra suivre cette voie-là. De cette façon-là, en fait, l'espace rapprochement, vous voyez qu'on a 6 parcours différents. 6 parcours parce qu'on veut représenter en fait, la diversité des parcours qui peuvent être vécus par cette communauté. Donc en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir 5 parcours qui sont fixes, donc avec des installations physiques à l'intérieur des parcours, et un parcours aussi qui est, on peut dire, temporaire et toujours en mouvance, de cette façon-là, en collectant et en avançant à travers la recherche scientifique et les entrevues, les diverses entrevues qu'on pourrait faire à travers le temps, on aurait en fait un parcours qui serait toujours évolutif, donc pour représenter cette diversité-là et donner encore plus la voix. Donc, ce parcours du rapprochement, l'intention est donc, comme vous l'avez compris, de faire vivre le récit de vie, de s'identifier à dans une approche relationnelle. Et il y a une possibilité d'interaction entre les parcours pour avoir aussi un miroir sur l'autre. Donc là, nous allons vous présenter un parcours type. Donc nous avons décidé de développer le parcours d'Abishtein, qui était un homme de la communauté ultra-orthodoxe juive de Williamsburg à Brooklyn. Père d'un enfant, marié à l'âge de 18 ans et qui est sorti de sa communauté ultra-orthodoxe et qui est devenue une femme et qui est en transition aujourd'hui, qui est devenue un porte-parole. Donc, dans notre première salle étape, c'est une pièce noire avec des voix oppressantes d'hommes en yiddish. Un drap plonge sur nous, des voix d'enfants qui répètent les prières et deviennent de plus en plus fortes. Le participant est cerné, coincé dans cet univers aliénant. Il doit trouver une issue. Parfois, la voix d'Abishtein perce. Elle dit « J'étais coincée dès mon enfance dans un corps d'homme » et elle nous met tout au long du parcours. Des faisceaux de lumière découvrent, à la fin de cette première étape, plusieurs méritsot qu'il faut traverser. Les méritsot, ce sont les rideaux qu'il y a dans les synagogues pour séparer l'espace des femmes de l'espace des hommes, l'espace des femmes, les femmes ne pouvant pas voir en général l'espace de la Torah. De cette façon-là, en fait, la scénographie, comment les parcours sont pris, c'est vraiment des cloisons de tissu noir opaque. Donc, de cette façon-là, le participant peut même vraiment être plongé en noir et ça permet aussi une flexibilité du dispositif. Donc, seconde étape, nous avons la voix d'Abby plus prégnante qui nous parle dès son enfance
d'un sentiment de folie et des premières mutilations génitales. Et le secret, surtout, lié à l'absence de sources d'information. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas de télé dans la communauté trans. Et puis ce vertige intérieur, sentiment d'être anormal et de ne pas révéler ce désir de devenir femme, sinon cela peut attenter à la vie future. Pour évoquer ça chez le participant, en fait, on peut utiliser en fait, des flashs du milieu avec un projecteur qui va être projeté sur les cloisons noires. Donc, on va vraiment créer cette espèce de sentiment d'oppression, puis de voir aussi la brisure, en fait, brisure des souvenirs. La troisième étape, c'est les fiançailles d'Abby à 17 ans, le mariage à 18 ans et l'enfant à 19 ans. Mariage, entre guillemets, forcé, comme vous l'avez bien compris. Donc, une mise en scène des objets qui, de son milieu originel, donc par exemple le Streimel, le gros chapeau en fourrure, le Kittel, l'espèce de robe de chambre de soie que les hommes ultra-orthodoxes portent. Donc, de cette façon-là, ces objets-là seraient représentés dans une bibliothèque. Mais la bibliothèque n'est pas illuminée, il va seulement avoir des flashs quand Abby va les évoquer, ce qui va permettre vraiment d'avoir juste des bribes de souvenirs en fait, sur ces objets-là qui sont exposés. Et donc, vous aurez une vidéo d'un mariage chassidique traditionnel et de ce qu'on appelle la calétance. C'est-à-dire que la mariée est seule au milieu d'une assemblée de centaines, voire de milliers d'hommes. Elle est voilée et elle est reliée par un cordon à son père ou à son beau-père. De cette façon-là, on va avoir des projections sur les deux autres murs où on n'a pas la bibliothèque, qui va nous permettre d'un côté de voir justement ces centaines d'hommes de la communauté et de l'autre côté, la femme. Donc, on veut faire ressentir cette oppression-là qui entre les sexes dans la communauté et de voir aussi la séparation. Pour ressortir de la salle, il va avoir justement le cordon dont Mina vous a parlé. Et là, on va avoir en fait ce cordon-là que la voix d'Ali va demander aux participants de décrocher. Donc, pour vraiment faire participer le participant dans l'avancement du parcours de vie d'Ali. Donc, c'est une décision, il faut décrocher ce cordon pour arriver à la quatrième étape. Abby a 19 ans et découvre Internet de manière clandestine dans un centre commercial. Et alors là, comme elle ne sait pas parler anglais, elle va taper en hébreu, elle va arriver sur la page Wikipédia des transgenres, et là c'est le vertige le plus total. Elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, qu'il y a aussi des hommes qui aimeraient vivre dans un corps de femme. Et là, grâce à tous les réseaux sociaux, elle va commencer à en savoir plus, apprendre l'anglais, se créer un profil Facebook anonyme et aussi un blog qui va lui permettre de rentrer en contact avec le monde séculaire, mais aussi avec des personnes cachées au sein de la communauté qui ont ce même malaise. Donc pour illustrer en fait tout ce récit-là, on veut vraiment avoir un effet très immersif pour le participant. Donc on va avoir des images qui vont commencer du sol et qui vont commencer à englober en fait toute la cloison. Donc on va avoir en fait une rafale d'images, donc d'Internet, de Facebook, des blogs, de toutes les connexions qu'elle va faire, des nouvelles personnes qu'elle va connaître. Et là, ça va complètement illuminer le parcours et ça va nous permettre de continuer. Donc on va voir la voix qui commence à s'ouvrir un petit peu. Donc de cette contamination d'images et de cette révélation au monde, nous arrivons à la cinquième étape, 2013, le divorce. Et Abby entre Columbia University, elle commence des études sur le genre, annonce son transitionnement à son père, donc c'est la coupure totale avec la famille, l'excommunication de ce milieu, avec qui elle n'a toujours pas de lien aujourd'hui, et commence la transformation. Donc, de cette façon-là, en fait, on va avoir la transition, on veut vraiment voir cette opération-là qui se fait à travers le laboratoire du corps d'Abby. Donc, on va avoir en fait un cabinet de laboratoire, mais expérimental aussi. Donc, on va voir en fait Abby qui commence à se maquiller, on va voir Abby qui se rase, on va voir toutes les transformations qu'il va avoir au corps. Donc, on va avoir en fait pour la première fois Abby qui va être révélée de façon visuelle, on n'a plus juste sa voix. Donc, c'est la première fois qu'on a plus Abby juste en entité sonore, mais qu'on a un visuel, donc c'est très fort de montrer juste cette transformation-là de la personne. Et donc la dernière étape, c'est Abby qui marche à côté de nous, de part et d'autre. Son image est projetée sur les murs et elle nous accompagne vers la fin. Et là, nous avons une porte à ouvrir pour quitter le parcours. Donc en fait, on va arriver dans le phase de transition que vous voyez juste ici. Et là, vous voyez tous les petits bancs qui sont les petits coussins qui sont ici. Donc c'est vraiment en fait pour permettre d'une première part, un stade de transition. Donc si on a emprunté des parcours différents des personnes avec qui on faisait l'exposition, de cette façon, on peut les attendre pour continuer l'expérience. Mais aussi, on veut vraiment avoir un parcours réflexif. Donc à cet endroit-là, on vient de vivre un tremblement intérieur. Donc on a vu la première phase de tremblement, on a été, émergé dans le parcours d'une personne qui nous a raconté sa vie, son parcours de vie, de façon très relationnelle et très intime. Donc, c'est de remettre en perspective tout ce qu'on vient d'intégrer comme information.
et on a fait sur les murs des projections, en fait, avec des grandes questions qui, même nous, nous ont touchées à travers l'élaboration de notre projet. Donc, qu'est-ce que les genres, qu'est-ce qu'être homme, qu'est-ce qu'être femme, donc vraiment, de permettre une réflexion, un retour sur soi-même de ces grandes questions-là. Et permettre finalement peut-être une discussion aussi avec les autres participants pour qu'ils puissent échanger entre eux, donc par rapport aux différents parcours qu'ils ont empruntés, voir là justement une discussion qui s'anime à travers les différents visiteurs. Et donc, il faut emprunter un passage très étroit qu'une seule personne peut emprunter pour arriver dans notre quatrième espace, qui est l'espace du prolongement, ou aussi de la transformation. Donc, le prolongement de la réflexion du personnel au collectif. Prolonger la voie VOIE et la voie VOIX de réflexion et d'engagement via la transformation artistique. C'est une ouverture sur le monde. Et nous arrivons, nous avons une carte du monde qui sera une carte subjective créée par un artiste trans. Donc c'est un peu une carte artistique, on peut avoir différents médiums qui seraient utilisés. Et celle-là, elle se trouve vraiment sur le sol. De cette façon-là, c'est qu'on a quatre écrans tactiles qui sont accrochés au mur des quatre panneaux que vous voyez. Et de cette façon-là, on peut aller consulter une banque de données qui est représentée sous la forme d'un monde. En cliquant sur un pays ou encore sur une fiche d'un parcours trans qu'on aurait pu voir à travers l'exposition, on peut aller chercher davantage de données et cette fois-ci poser des questions qui sont précises. Pourquoi est-ce qu'on a voulu les data plus grandes? C'est parce que tout ce qu'on consulte pour les quatre écrans est rediffusé ensuite sur la carte du monde en temps réel. Donc on a vraiment aussi les gens qui arrivent dans la salle, si les quatre écrans sont pris, on peut voir et consulter ce qui est en train d'être consulté aussi sur les écrans. Donc ça permet aussi un rassemblement à travers les grandes questions et les informations qu'on consulte. Et donc aussi c'est un espace de performance, une tribune, un lieu, une agora où les associations peuvent mener des discussions et des débats. On a des quatre alcoves que vous voyez juste ici, parce que chaque alcove traite d'une thématique. Donc on va avoir ces thématiques-là qui sont différentes, et on va avoir en fait agir mais comment. Donc à chaque fois, chaque alcove sera adaptée en fonction du pays où le parcours immersif sera. Donc première alcove, agir mais comment. Nous traiterons des questions de la transphobie, de l'activisme, des discriminations à l'embauche, au traitement médical, des questions de la violence, de la prostitution. Ce sera aussi un espace de témoignage où le participant pourra laisser des messages s'il le veut qui seront transmis aux communautés trans ou à l'artiste, mais aussi acquérir des outils lui-même s'il veut s'engager dans la cause ou s'il veut accompagner certains de ses proches qui sont dans cette situation de transition. Exactement. Donc, en B, pour la deuxième thématique, on va avoir vraiment quelle justice pour les trans. Donc, nous traiterons de la question des droits en fonction du pays où nous sommes, la législation, mais aussi la question des réfugiés trans qui demandent très souvent l'asile. Finalement, en 3, on va avoir agir avec ou sans sa famille. Donc, la question de la famille, de la parenté, du droit à l'enfantement la question aussi de l'excommunication, parce qu'en général, quand un trans révèle son transitionnement à sa famille, il est très souvent excommunié. Donc vous avez justement ici un exemple d'œuvre qui pourrait être exposé. Donc à travers l'art trans, si on veut, d'une personne qui retrouve son identité à travers la thématique trans, comment est-ce que lui voit la famille? Donc on veut vraiment créer une relation avec l'art de cette façon-là. Et finalement, on aurait comme quatrième thématique, amour et transition. Donc on adore ce titre, amour et transition. Donc finalement, traiter du désir, du corps, de l'amour, du plaisir. Comment poursuivre le plaisir même après un transitionnement chimique, voire chirurgical. Donc encore là, on vous expose en fait quelques images qui pourraient montrer comment est-ce que les artistes pourraient les traiter. Donc finalement, on se demande, vous voyez en fait plutôt le point de vue technique, donc vraiment de pouvoir permettre ce parcours immersif avec l'exposition, donc toute la structure, de passer de pays en pays. Donc c'est vraiment dans le but d'être performé aussi, de donner une voix aux communautés, mais de permettre de faire émerger ces voix-là parce qu'elles sont déjà présentes, mais c'est donner en fait un véhicule à cette mémoire. Donc vraiment, le concept de route, on va l'utiliser à la fois à travers le parcours que le visiteur fait, en ayant vraiment un aspect performatif sur lui de lui permettre un retour, mais également une performance pour la communauté qui va vraiment se mettre sur la scène publique à travers celle de leur donner. Face à une personne concernée par la santé mentale, on ne sait jamais vraiment trop comment réagir. Il y a des images qui sont véhiculées dans notre société qui sont difficiles à se détacher. Donc, notre projet s'intitule La route chaotique
un des préjugés en santé mentale lorsqu'il n'y a plus de lipoule que d'asphalte. Alors, vous voyez, donc voilà. Et ce concept-là de route et de contribution, de déconstruire les mythes est repris tout au long du projet. Alors, notre objectif principal est vraiment de déconstruire les mythes et les préjugés avec les personnes concernées, qu'on vous parlait comment on s'est pris pour formaliser cette activité-là, et auprès du grand public dans un deuxième temps. Alors, on ne veut pas réaliser que les préjugés peuvent consister vraiment en des microagressions. Ça touche les personnes directement et ça les touche dans leur quotidien. Donc, c'est ça qu'on veut faire réaliser au public aussi, à quel point ça peut venir toucher ces personnes-là dans le quotidien. Et finalement, on veut aussi permettre l'échange entre les différents parties et ouvrir le débat dans une perspective plus large entourant la stigmatisation. Notre public cible, alors, c'est d'une part vraiment les personnes concernées qu'on veut impliquer beaucoup en amont dans le processus, puis le grand public avec qui on veut démystifier et ouvrir dans une perspective, dans une exposition. Les approches qui vont être mises en œuvre, on a vraiment fait un mix des trois différentes approches. On va en parler un peu plus, vous allez pouvoir voir avec les exemples qu'on va dire dans notre exposition, mais il y a vraiment l'approche affective, puisqu'on parle du quotidien des gens, donc de leurs émotions, de ce qu'ils vivent. Donc on veut aller chercher cette approche-là dans le témoignage. L'approche contemplative, parce qu'il va y avoir des œuvres d'art, donc les gens, les visiteurs vont pouvoir justement contempler ces œuvres d'art-là, faire leur analyse avec leur propre vécu. Et finalement, l'approche cognitive, parce qu'on veut intégrer des connaissances et des définitions, par exemple, qu'est-ce qu'on entend par la stigmatisation, l'auto-stigmatisation, qu'est-ce qu'on entend par les différents mythes, comment ils ont été définis dans la recherche et comment les gens les vivent. Donc, c'est ça, comme Lynn le disait, on va travailler avec les personnes concernées. Les personnes concernées, ce sont nos experts, les experts de vécu, les experts d'expérience. Et c'est à partir de leur perception, de leurs expériences, que toute que l'exposition va être basée. C'est ça, on aurait des ateliers. Comment on projette, on voudrait rejoindre les personnes, on voudrait rejoindre autour de 200 personnes peut-être. 20 organismes dans la région de Montréal à travers le RACAR, qui est un regroupement de ressources alternatives et communautaires en santé mentale. C'est un réseau que je connais bien, donc c'est ça. Et aussi parmi les organismes retenus, ou voudrais en retenir, qui ont des sous-catégories parmi les personnes en santé mentale. Il y a des organismes que c'est juste des femmes. On s'est intéressé de voir le point de vue des femmes par rapport aux préjugés aux mythes. Il y a l'organisme Diogène qui, eux, offre un suivi communautaire aux personnes qui ont une double problématique, qui sont soit judiciarisées ou qui sont en situation d'itinérance, et souvent les deux. Donc, il y aurait des ateliers qui seraient réalisés dans chacun des organismes. Et ce serait à partir de ça qu'on serait capable de déterminer c'est quoi les mythes, les préjugés qui sont les plus communs que les personnes vivent le plus au quotidien. Donc, à partir déjà dans la structure de nos ateliers, on pourrait commencer le début d'une analyse différenciée selon les sexes. Et on peut dire qu'on est toujours touché. Oui, autour de 200, autour de 10 personnes par groupe, par raison de 20 organismes. OK. On a quand même donné certains exemples des préjugés. Donc, vu que je travaille là-dedans depuis environ 30 ans, le préjugé ou le mythe de la dangerosité, je pense que c'est celui-là qui va scorer le plus fort. Et ce qui est triste, je regardais le rapport, il y a eu comme un grand rassemblement avec la commission en santé mentale du Canada, et il disait que le mythe de la dangerosité, il est 4 fois plus fort qu'avant. Donc, il y a eu une évolution au niveau des mythes dans nos sociétés. Le mythe de la chronicité, bien ça, je peux en parler à partir de ma recherche, parce que j'ai examiné l'expérience, le parcours des personnes en santé mentale en ce qui a trait à la prise de médication. Et les gens disent, ils l'ont dit à plusieurs reprises, ils disent quand le diagnostic est arrivé, et souvent avec le diagnostic et la médication, on m'a dit que c'était à vie. Ça a été vraiment, les gens, c'est vraiment, c'est un coup dur pour les personnes, c'est comme si elles avaient une sentence. Donc, ça, le mythe de la chronicité, c'est comme ils vont jamais s'en sortir. C'est vraiment un mythe parce qu'il y a des tas d'études qui prouvent que la majorité des personnes
trouvent des réponses, ils trouvent des façons de s'en sortir, même les diagnostics les plus sévères. Donc, d'autres préjugés potentiels, la crédibilité. Ça, c'est la première chose qui part du moment que tu as le diagnostic psychiatrique. Tu n'es plus crédible. Tu es considéré incompétent, fiable. Pas fiable. Les médiums, encore là, ça va être au choix des personnes. Ça pourrait être des personnes concernées. Ça pourrait être des dessins, des peintures, des photos, des vidéos. Ça pourrait être aussi, les gens pourraient décider de rédiger des textes et d'autres moyens qu'on n'a pas parlé, qui pourraient être aussi explorés. Là, le choix épineux des œuvres. Bon, mes deux collègues ici vont parler comment est-ce qu'ils vont faire le plus en détail l'exposition. Là, on va se ramasser avec beaucoup de choses. Et moi, je suis incapable de jeter quelques chefs-d'œuvre de qui que ce soit. Donc, ce serait les personnes qui choisissent. Moi, quand quelqu'un s'exprime, là, c'est quelqu'un qui a la difficulté à le faire, je peux pas ne pas garder ce qu'il fait. Donc, c'est ça, ce serait les personnes elles-mêmes qui choisiraient les œuvres et les autres, on les garderait toutes, et ils se retrouveraient sur le site web, en lien avec les différents bits. Ici, l'idée de faire un tour d'horizon de l'espace visuel, donc on peut commencer ici par le bas, qui est en fait l'introduction au parcours, qui va être en fait la représentation des différents bits que la société nous communique en fait. Ensuite, on passe par un seuil qui nous amène dans la salle principale où il y a 5 stations thématiques dans lesquelles les œuvres sont diffusées, ce sont des thèmes qu'on va sélectionner. Et puis au centre, en fait, on voit il y a 3 stations thématiques, si on peut faire un petit bonhomme. Et puis au centre, on voit une rupture, une fissure. À cet endroit-là, ça va être l'endroit où on va avoir une station plus de la savoir cognitif. Donc, information sur la stigmatisation, sur l'auto-stigmatisation et sur la discrimination. Et puis, par la suite, une fois qu'on va avoir soit contourné, passé, approfondi cette rupture-là, on va continuer dans les 2 dernières stations. Et puis, on termine le parcours par l'espace cinéma. L'espace cinéma est en fait un espace qui est prévu pour maximiser le nombre de personnes qui vont venir voir, qui vont pouvoir écouter la projection. Et puis l'idée, c'est d'avoir des récipients à cet endroit-là, pour présenter qui nous sommes réellement, les personnes atteintes. Ensuite, on passe dans un corridor en sortant du cinéma pour aller jusqu'à ce corridor-là, en fait, nous permet de voir ce qui se passe à l'international au niveau de la stigmatisation. Pour ouvrir un peu le débat. Et puis, on termine par une salle de médiation. Je l'appelle affectueusement la salle d'appel au rêve. En fait, comment vous imaginez la société de demain ou comment faire pour trouver des solutions pour améliorer l'égalité au niveau de la santé mentale. Alors, on va maintenant détailler plus spécifiquement chacune des citations. On commence par l'introduction en fait du parcours. L'idée est de mettre en évidence les préjugés que la société projette sur la santé mentale. Alors, comment allons-nous le faire? C'est par 2 choses. En fait, l'image, en fait, c'est de où proviennent les mythes, les images véhiculées par les médias, bien sûr, mais aussi par les films, la publicité, les croyances populaires. Donc, l'idée va être de démontrer ces différents points. Et comment on peut nous réaliser? Ben, en tapissant les murs, notamment, 2 journaux qui vont nous rappeler l'espace médiatique, mais aussi par des projections. Donc, ça va être des projections, disons, temporaires, qui vont être un peu intempestives, vont arriver une fois de temps en temps. Et puis, l'idée, ça va être de présenter, par exemple, ici, on voit le silence des agneaux, qui nous présente un fou. Et puis là, ça vient stigmatiser vraiment dans la conscience des gens, qu'est-ce qu'un fou? Des sites vidéo, par exemple, des journaux télévisés. Et puis, pourquoi pas Donald Trump? Et la question serait, éternons-nous les bonnes personnes? Alors, après, on arrive dans la salle principale, il va y avoir les 5 stations climatiques. À chaque station, un mythe va être associé. Les mythes vont être décidés en amont avec les personnes. Donc, nous, on en a pris un comme gros exemple, qui est la chronicité. Alors, il va y avoir de 1 texte de qu'est-ce qu'on entend par la chronicité. Alors, nous, ce qu'on entend par là, c'est vraiment de dire que c'est un diagnostic à vie, ça tombe, c'est une sentence. Pour garder dans le thème de la construction, déconstruire les mythes et tout, on va avec un,
un panneau de construction ou un panneau de signalisation. Donc, nous, c'est le, pour la commission, le prix de cul-de-sac de dire « Ah, c'est sans issue, arrête-toi là, là, au bout de la rue, il n'y en a plus après. » Donc, l'idée du cul-de-sac. Par la suite, on va exposer les 5 œuvres qui vont être choisies par les personnes pour représenter ce vide-là, donc vraiment leur réalité, les gens vont pouvoir admirer les œuvres. Et on veut aussi les témoignages, donc les personnes vont pouvoir s'exprimer sur leur vécu, soit à travers le vidéo, l'audio, le texte, à leur choix, de dire comment ce vide-là, ils l'ont vécu dans leur quotidien, dans leur vie, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont réussi à passer par-dessus, est-ce que ça les affecte encore, donc voilà, plus l'expérience personnelle. Et aussi, bon, les panneaux, on peut s'amuser à en créer des pièces pour illustrer. Alors, maintenant, à l'espace de stigmatisation, qui est au centre, comme je le rappelle, du plan de l'exposition, l'idée, en fait, est de créer une rupture. On peut parler d'un obstacle. Et un obstacle, comment on fait pour éviter un obstacle, pour aborder l'obstacle, en fait, on peut soit le contourner, mais on peut aussi l'explorer. Donc, explorer le contenu qu'il peut avoir. À l'intérieur de celui-ci, comment on va faire pour le régler. En fait, c'est un temps de pause dans l'exposition, donc comme on disait, justement aller chercher le cognitif chez les gens. Donc ici, on va faire la distinction en trois termes, donc la stigmatisation, l'autostigmatisation et la discrimination. La distinction entre stigmatisation et autostigmatisation, en fait, c'est que la stigmatisation, c'est plus vis-à-vis, finalement, le châtiment. Les visions négatives que les autres peuvent avoir face à nous-mêmes. Et l'autostigmatisation, c'est quand on vient intégrer vraiment le sentiment que les autres projettent sur nous. Donc, comment on se perçoit, on finit par croire finalement ce que les autres peuvent penser de nous. Ça peut avoir des dommages vraiment profonds chez les personnes concernées. Et finalement, la discrimination, c'est plus au niveau des droits, en fait, montrer à quel point les droits sont bafoués dans cette expérience. Et puis, à quel point ça peut engendrer des difficultés dans le développement personnel des personnes. Ici, en fait, on voulait parler spécifiquement de l'organisation spatiale parce que notre titre étant ce qu'il est, la route chaotique des préjugés en santé mentale lorsqu'il y a plus de nid de poules que d'asphalte. Et puis, nous, ça nous a inspiré, en fait, justement, toute la thématique de la construction. Donc, pourquoi baliser le parcours avec des objets qu'on retrouve notamment en construction. Et puis, par exemple, les stations pourraient être construites à l'aide de matériaux qui sont plus... sont plus rudes, ou je ne sais pas comment dire le mot exact. Mais finalement, c'est ça, on développerait selon cette thématique-là. Puis, oui, en fait, la rupture, en fait, on voulait la créer peut-être plus comme espace à gauche, et puis les stations plus comme espace à droite. Je peux passer. Concernant l'espace cinéma, le film aurait pour titre « Qui sommes-nous vraiment? » L'idée serait en fait de représenter l'identité, l'histoire des gens, la réalité quotidienne. Les personnes sont invitées à faire par un biais de l'entrevue, à dire un récit de vie. Et puis, ce serait en fait ce qu'on veut qu'ils retiennent d'elle, que les gens retiennent d'elle. Et la vidéo aura un format de 6 à 7 minutes maximum, et puis ça serait une vidéo en boucle qui serait en fait organisée pour que peu importe à quel moment on arrive dans la vidéo, on puisse voir l'entièreté des récits à l'intérieur de celui-ci. Il y aurait plus ou moins 7 témoignages, 7 personnes qui passeraient devant la caméra, et puis c'est cela pour le vidéo. À l'international, ensuite, dans le corridor qui suit le cinéma, on aurait un écran interactif. Qui viendrait en fait proposer différents endroits dans le monde sur lesquels on pourrait cliquer. Et puis, en cliquant sur ces différents endroits dans le monde, en fait, on viendrait avoir un aperçu des victoires, des combats ailleurs dans le monde concernant l'égalité au niveau de la santé mentale. Et finalement, dans la médiation finale, on va faire de l'art postal. Alors, on va donner à chaque visiteur une carte postale qui va pouvoir prendre le temps de s'asseoir et de dessiner et d'écrire un mot s'il le désire. Alors, de un, le dessin, parce qu'on répond à l'art qui va être présenté dans l'exposition par l'art, mais aussi d'écrire un mot, que ce soit une solution, que ce soit une situation vécue ou un message à véhiculer.
Donc voilà, et c'est toutes ces cartes-là vont voir être suspendues un peu comme ici, vont virevolter dans l'espace, un peu comme je le disais tantôt, l'idée du rêve, l'idée que de sa flotte, qu'on est rendu ailleurs. Donc c'est vraiment une ambiance différente du reste de l'exposition. Et à la toute fin de l'exposition, on décroche ces cartes-là, et ces cartes-là sont envoyées, on retourne dans les organismes communautaires qui nous ont accompagnés dans le parcours, qui nous ont aidés à choisir les œuvres, à construire le contenu. Donc, il y a vraiment ici le retour et l'échange qui est fait avec les personnes qui sont concernées. Bonjour à tous. Notre projet s'appelle Ma voix tarique. Notre groupe parle des groupes minorisés des handicapés. Pour notre projet, on a décidé de faire un travail et mettre en évidence les problématiques des personnes aveugles ou avec quelques autres déficiences visuelles. Au Québec, les personnes aveugles, presque, ils sont au niveau de 5 000, juste pour préciser les Brésiliens qui sont présents, au Brésil, on parle de 6,5 millions de personnes avec quelques déficiences visuelles dans ces publics-là, il y a 500 personnes aveugles. On a trouvé intéressant de parler de personnes avec la déficience visuelle parce que aussi ils sont des groupes plus vulnérables dans une visite au musée. Et toutes les sortes des autres handicaps des personnes avec qui portent de nécessités, ils ont une solution pour regarder bien les autres et tout ça. Mais les aveugles, c'est une question qui nous touche plus fortement. Donc, notre public cible, c'est toutes les personnes. Notre objectif, c'est conscientiser les personnes de cette problématique-là. Et aussi, l'intention de mettre les personnes dans la situation d'handicap pour expérimenter la situation au bout de conscientiser les personnes et que ces personnes puissent savoir que ce n'est pas la fin du monde d'être aveugle. Donc, aussi briser l'isolement de cette communauté marginalisée et regarder si elle est une société bien adaptée pour recevoir des personnes avec quelques handicapés visuels. Que dans les mouvements de reconnaissance des groupes minorisés, ils ont pris de l'ampleur au cours des dernières décennies. Les groupes de défense ont mis de la pression sur les gouvernements afin de définir les actions à prendre sur les chemins de reconnaissance de ces citoyens faisant partie intégrante de la société. Les travailleurs des sciences sociales, notamment les anthropologues, ont mis la table pour devenir les bases de la reconnaissance des droits des handicapés et des personnes vivant avec une déficience visuelle. Faire une brève historique. Les années 1960-70, il y a eu une désinstitutionnalisation et une mise en place de l'État-providence, c'est-à-dire que les institutions ont pris peu à peu, les institutions ont été peu à peu remplacées par des services dans la communauté. Les années 75-84, les lois et les mises en état de la question du handicap, c'est-à-dire une loi qui assure l'exercice des droits des personnes handicapées, et la création de l'Office des personnes handicapées du Québec. En 1995, on parle de la confrontation au partenariat, aux collaborations et aux concertations. C'en est venu que le handicap est de plus en plus abordé en tant que phénomène social et collectif plutôt que médical et individuel. Et on reconnaît le handicap comme une source d'inégalité sociale. En 1990, on a mis en place des structures de médiation permanente et la redéfinition du rôle de l'État s'est accentuée et une redéfinition de l'action communautaire autonome. Alors là, il y a eu des cliniques d'impôts pour aider les gens avec des problèmes, des difficultés de vision à les faire, des défenses des droits des individuels, la cuisine collective. Toutes ces activités-là avaient pour but de sortir de l'isolement ces gens-là. Et quand on parle de gens avec des difficultés visuelles, les aveugles représentent environ 5 %
des gens avec des problèmes de vision. Et 95%, c'est différent. Et on a questionné souvent comment est-ce que vous voulez vous faire appeler, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est quoi la nomenclature, puis eux, c'est à peu près n'importe quoi, c'est un peu un problème intellectuel, c'est pas un problème que d'autres se perçoivent en fait de se faire appeler déficient visuel, aveugle. Le terme en plus d'accent, c'est d'ajouter toujours le titre de personne. C'est une personne derrière cet handicap-là, c'est eux, c'est le problème qui ont besoin de messages qu'on a pu faire passer. Puis en fait, l'objectif qu'on a visé, c'est sensibiliser les voyants aux défis quotidiens des non-voyants. C'est un peu leur montrer que leur réalité tous les jours, c'est la même que nous, c'est la même personne, ils ont le même mode de vie, ils font les mêmes activités, mais les gens ne sont pas conscients de ça. Puis c'est un peu là l'écart qu'on a avec eux, c'est une perception de la différence qui pourtant, il n'y en a aucune. Donc, l'exposition qu'on a pu démontrer, c'est en trois zones. Donc, il y a la première qui sert un peu à expliquer les pathologies, expliquer le fonctionnement, les différentes possibilités d'aveugle, parce que c'est pas toujours une cécité totale, il y a différents grades. Ensuite, il y a une visite d'un appartement type d'une personne aveugle adaptée pour cette personne-là. Puis, à la fin, une dernière zone qui sert pour un peu, c'est l'espace de médiation le plus intense, en fait, où on vient discuter les réflexions, tu sais, des réflexions sur cette problématique-là. Puis, la portion, en fait, visite guidée, qui vient s'ajouter, se greffer à cette exposition-là pour faire l'expérience en dehors des murs, puis pousser vraiment la réflexion encore plus loin. Donc, merci, si tu veux commencer avec. Oui. Notre visite, ça se commence par ici. Les personnes vont entrer ici. Ici, il y a déjà les explications des cinq principales maladies visuelles qui mettent les personnes en difficulté visuelle. Ici, il y a des expositions aussi des matériels, des nouveautés que les gens handicapés utilisent. Et il y a la réception de les guides qui vont aider les personnes. Et ici, après, ils vont prendre les deux matériels qui vont aider pendant la visite de l'appartement, qui sont les pelle-freins, qu'on va montrer après, et c'est les masques pour faire pour mettre les personnes dans une réalité de difficultés visuelles. Les cinq maladies, c'est juste pour que j'oublie pas, les cinq maladies principales qu'on va parler ici, c'est la vision centrale ou internet. Ce sont les personnes qui voient la vie comme un petit parti. Ici, il n'a pas de vision périphérique, il va juste qui est au centre. La deuxième, c'est la vision périphérique, les personnes qui ne sont pas capables de focaliser des choses, c'est le contraire, ils ont les visions périphériques tout seulement. Et les personnes qui ont les visions embrouillées, c'est comme en bas, c'est mal comparé les personnes qui sont myopes. Et d'autres, la quatrième, c'est les visions avec taches, il y a quelques taches noires à la vision des personnes. Et la cinquième, c'est la cécité totale. Donc, mais pour notre visite, on a choisi trois types de maladies qui sont plus touchées, qui mettent la plus grande difficulté, qui mettent la personne dans la plus grande difficulté de regarder au monde. Donc, en avec l'équipement, en fait, les personnes franchissent le seuil, puis entrent en fait avec une des trois pathologies qui ont été décrites, mais en fait c'est au hasard. Donc la personne ne sait pas comme un peu le diagnostic de maladie. On entre, on découvre l'appartement avec cette nouvelle maladie-là. Donc c'est les zones en fait principales, donc bureau, salon, salle à manger, cuisine, sont avec tous les appareils électroménagers, mobilier, objets, tout ce qui peut se retrouver dans un appartement pour faciliter leur vie. Puis avec le pen-pen, en fait, qu'on a expliqué, c'est un moyen avec des post-it. Pour remémorer les objets, les personnes qui ne voient pas peuvent utiliser ça, puis c'est un outil qui parle, en fait, qui indique les objets pour les situer, pour les orienter. Donc, c'est un peu une innovation aussi qu'on veut présenter dans ce milieu-là. Puis, en fait, les vues sur des ambiances reculées extérieures, avant, la vue, la cour arrière, bon, c'est avec des sons, différentes luminosités, on peut faire aider les sens d'orientation de ces personnes-là pour percevoir différentes ambiances, s'orienter dans la maison, savoir son où. Les différences de contraste de couleurs, les seuils, les textures aussi. Donc, c'est vraiment pour stimuler les autres sens, pour les aider dans cette expérience-là.
C'est le type d'élément qu'on peut trouver. On a fait un peu le site délinquant, en fait, l'Institut Nazareth Ouai. En fait, il y a plein de panoplies d'objets qui sont offerts à eux. Ça nous a permis de découvrir que leur vie peut être vraiment égale à la nôtre, puis ils peuvent être autonomes, une personne qui peut avoir une vue vraiment bien. Donc après, c'est intéressant de préciser que les aveugles aussi avaient vécu les personnes aveugles avaient vécu dans ces espaces-là pour vraiment les aider à cheminer dans le parcours, peut-être échanger avec eux des réalités, donner des trucs, comprendre un peu cette communauté-là et comment ça fonctionne. La dernière zone, en fait, c'est le champ qu'on peut expliquer. C'est vraiment l'abordement typique, puisque l'accent est mis sur l'échange avec les personnes avec des difficultés visuelles. Il n'y a pas rien de spectaculaire, c'est tout adapté. Les Pepin Friends, ils peuvent aller voir dans les armoires pour trouver c'est quelle canne, là, en le touchant, c'est une canne de carotte. Essayer de comprendre dans les appartements comment est-ce que dans le fond ça se trouve être comme chez nous. Sauf que c'est juste adapté à ce moment-là, il n'y a plus de différence avec nous et ces personnes-là. Quand ils passent la porte ici, il y a un sensor qui choisit une des maladies qu'on traite ici, une des trois. Et ici, il y en a un autre, parce que là, c'est parcours-là qui est complètement aveugle. Pour vivre comme une espèce de cheminement, en même temps un rite de passage, ça peut cheminer aussi, devenir complètement noir. Ils ont juste ce petit trajet-là ici à faire. Et des fois, ça peut être un peu déstabilisant de faire ce petit raccourci là ici. Pour passer une porte et sortir dans une zone qui est plus sous l'ambiance d'un restaurant ou d'un bistrot. Parce que ici, il y aurait des banquettes, on peut s'asseoir. Et là, il y aurait une réflexion. Et à ce moment-là, les gens pourraient enlever les lunettes et retrouver leur univers et pouvoir discuter avec d'autres personnes avec des difficultés visuelles. C'est un lieu de médiation, parce que là, il y aurait la place à l'échange de qu'est-ce qu'ils ont vu. Il pourrait y avoir des ordinateurs adaptés en braille, parce qu'il y aurait des recherches de faits, il y aurait des citations sur les murs, qui seraient des réflexions ou des questions à poser pour entretenir le dialogue. Vraiment mettre la personne en premier plan. L'exposition est le prétexte vraiment pour amener les personnes à discuter et à fraterniser ensemble. Il y avait à tout ça, dans cette partie-là, on propose de refaire un autre parcours pour les gens qui le souhaiteraient. En réel, avec une personne non-voyante, avec la canne, aller faire un parcours dans le musée, un itinéraire sur la galerie centrale du hall d'entrée avec les poubelles, les banquettes, tout ce qui peut se retrouver de mobilier ordinaire, descendre un escalier avec accompagné, et là aussi comprendre l'attention de quelqu'un à droite, fait attention ici, les escaliers commencent par ton pied gauche, contre les marches, puis il y aurait toute cette sensibilisation-là de fait. Et pour les gens qui le souhaiteraient, il y aurait aussi un parcours extérieur. En fait, c'est l'objectif en fait de notre concept général, c'est d'y aller le plus simple possible, montrer vraiment. On ne veut pas simuler des espaces très compliqués. On veut vraiment leur montrer qu'il y a juste un petit tour du carré pour sortir de la porte avant, rentrer par la porte arrière en rencontrant les défis trottoirs, traverser une rue, les différents types de pavés, lire des plaques commémoratives qui sont, on s'est rendu compte, pas très lisibles même pour certaines distances. C'est tous des défis qu'eux ne peuvent peut-être pas bénéficier autant que nous dans des contextes comme ça. Puis ça peut consentir les gens à leur réalité et voir un peu. Laisser une graine dans la tête des personnes qui font ces expériences-là pour leur dire après la visite, ouais, finalement, je vois le monde différemment. Puis leur défi, c'est encore plus loin, c'est eux la réflexion qu'ils la font, pas la tête. Donc, le déplacement, distraction, circulation, obstacle, affichage, plein de trucs qui se trouvent sur le milieu urbain, qui sont vraiment de tous les jours, on les remarque pas. En fait, ce type d'expérience. Dans le fond, notre méthodologie qu'on a utilisée, c'est le parcours où on a les personnes, les visiteurs, on a l'opportunité d'échanger avec, directement avec les personnes malvoyantes parce que normalement, c'est les personnes voyantes qui guident les visites, mais de ce côté-là, on va changer. C'est les personnes malvoyantes ou aveugles qui vont guider les visites à l'extérieur et l'intérieur du musée. Au retour, la discussion ouverte et partage de l'expérience, les personnes pourront échanger ces expériences. S'il y a quelques principales choses qui a touché pendant l'expérience. Une exposition, c'est une exposition d'immersion dans la peau d'une personne malvoyante. Donc,
notre objectif, c'est bien clair de mettre les personnes dans la situation et après, quelques après, changer ses idées, son regard avant les personnes handicapées et sensibiliser les personnes-là à ces problématiques, ces groupes minorisés. Donc, l'expertise, en fait, on a appelé au regroupement des aveugles et handicapés du Québec. On a discuté avec M. Cousineau. C'est vraiment, ce petit appel-là a été vraiment chargé de plein de petits détails, comme les portes à moitié fermées, si on les ferme, on les ouvre pour eux. Des habitudes de vie que nous, on peut adopter, qui nous font changer un peu la manière d'agir, qui vont tellement simplifier leur vie, qui peuvent déjà les aider à les intégrer pour mieux les comprendre. Donc, ça serait un processus à continuer pour comprendre vraiment, avoir l'éventail de ces techniques-là. La Fondation des aveugles du Québec aussi qui fournit beaucoup d'informations sur les aides possibles d'assister ces personnes-là en fait, dans tout leur quotidien. Ensuite, il y a des PQ qui peuvent aller nous fournir plus le côté médical, la théorie de compréhension du fonctionnement, les types de pathologies, les types d'entretien, comment ils gèrent avec ces personnes-là. Puis finalement, le développement de la technologie, la réalité virtuelle comme on le propose, c'est déjà une technologie qui est présente, qui peut exister, mais qu'on vient juste peaufiner pour adapter à notre réalité d'exposition, pour que ce soit vraiment immersif, puis adapté spécifiquement à notre type d'exposition. Souvent, quand on est voyant, on a des préjugés ou des perceptions de quelqu'un d'autre, une personne non-voyante, qu'elle soit noire ou asiatique, il n'y a aucune différence, c'est une personne. Et cette expérience-là nous pousse à qu'est-ce que devenir minorisé, puis à faire confiance totalement à une personne non-voyante, et à comprendre en même temps sa réalité qu'une poubelle est mal placée. Mais qu'est-ce que tu fais l'hiver avec la neige? Il y a toutes les questions que nous, après, dans la société, on va faire des tout petits gestes qui peuvent améliorer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la qualité de vie de ces personnes-là. Monsieur Cousineau, il nous a donné plein d'anecdotes et il veut vraiment mettre l'accent qu'on lui demandait, mais qu'est-ce que vous mettriez en premier plan dans une exposition? Mais il dit, c'est vraiment la personne derrière l'handicap. Il faut vraiment nous montrer comme quelqu'un de n'importe qui. Comme n'importe qui. Parce que ce n'est pas plat être un handicapé. C'est un état comme n'importe quel autre. Et c'est ça. Il disait que c'était difficile de rencontrer l'amour, c'est difficile de rencontrer les gens, tu sais, parce qu'on a comme nous-mêmes une distance face à eux. Et cette expérience-là ferait qu'une personne qui est complètement inconnue, après un parcours de quelques minutes, ça deviendrait une personne. Ces congés-là, on a pensé dans la salle de. Qu'on appelle salle de manger. Du musée de la civilisation, mais elle est pleinement adaptable à quelques musées du monde ou au Brésil, par exemple, et manger ensemble. Oui, c'est manger ensemble. Manger ensemble. Ben, c'est pour montrer que ce modèle, ce type d'expérience-là va être répété avec tous les autres différents types d'handicap qu'on a touché, qu'on a touché avec les aveugles, mais qu'on se refaire avec tous les autres types d'handicap. L'expérience, le résultat, l'objectif va rester le même. Je pense que l'effet va être le même aussi sur tous les types. Puis en fait, même la faire le matin, la faire le soir, la nuit, la faire l'été, l'hiver, à la pluie, pour la faire une deuxième fois avec un autre aveugle, l'expérience est toujours différente, enrichissante aussi du même point. Puis l'échelle va être répétée, comme on disait, partout dans le monde, différents quelconques musées. Je pense que l'objectif de projet peut se promener. D'aborder le sujet des communautés noires sous l'angle de la discrimination. Donc, pourquoi l'angle de la discrimination, donc, je trouvais que c'était particulièrement pertinent. Point de vue, on assiste récemment à une remontée de la droite et du racisme dans les médias. Donc, c'est important de sensibiliser la population à ce sujet-là, au niveau de la discrimination. Également, on a remarqué en travaillant sur le projet que l'histoire de la communauté noire était relativement absente des institutions scolaires québécoises, était relativement, voire même complètement ignorée. Alors, on a décidé de ramener ça en premier plan avec notre travail. Également, la discrimination, ça touche pas seulement les communautés noires, ça touche également tous les groupes minorisés dont on a parlé en fin de semaine. Cette semaine. Donc, ça peut arriver à tout le monde dans un parcours de vie de développer des problèmes de santé mentale ou de devenir handicapé. Donc, ça peut rejoindre l'ensemble de la population
devenir discriminés un jour ou l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet. Donc, on part avec un objectif principal qui sera suivi de deux objectifs secondaires. Donc, notre objectif principal est de mettre en lumière les pratiques discriminatoires vécues au quotidien par les, comme le si bien mentionné, les communautés noires au Québec. Parce que quand on parle des communautés noires, ça inclut à la fois une diversité, une pluralité de provenance, l'Afrique, les Caraïbes, le Brésil, etc., mais aussi de langue, de religion. Les questions de genre aussi doivent être à considérer. Donc, on marque un point quand même sur cette pluralité importante à mettre en lumière. Du côté d'objectifs qui seraient ensuite secondaires, nous en avons un premier qui serait mettre en lumière les mémoires sociales de ces communautés qui sont effectivement absentes de la mémoire collective québécoise. Et un dernier qui serait de mettre en relief ces mémoires à travers l'expérience du racisme contemporain. Puis on fait ça en co-partenariat et en co-création avec des organismes noirs. Par exemple, le Black Center Studies, la Maison d'Haïti, le Centre multiethnique de Québec et plusieurs autres. On veut vraiment voir la diversité de la communauté noire puis entendre le plus de voix possible là-dedans. On veut aussi des partenaires d'un comité scientifique composé d'anthropologues, d'historiens, des communautés noires, des acteurs, des monteurs, des groupes de citoyens, des vidéastes, des techniciens, des musicologues, des musiciens. Puis c'est vraiment quelque chose de collaboratif. On veut les entendre tout le long du processus. On veut qu'ils participent avec nous. Puis vraiment entendre qu'est-ce qu'ils jugent plus important de mettre ou de ne pas mettre dans l'exposition. C'est un grand public, axé sur les jeunes adultes, mais pas nécessairement juste pour eux. Puis ce serait fait dans un musée de grande taille. Donc, notre exposition qui s'intitulerait Mémoire noire aurait une approche combinant en fait, deux approches différentes, à la fois affective et cognitive. Vous allez voir, la trame est particulièrement affective, mais on tenait à incorporer une section cognitive pour vraiment créer une assise, une base sur laquelle tout le monde pourrait s'entendre et ensuite discuter de ces problématiques qui sont quand même actuelles. Et j'enchaînerai donc en fait avec un synopsis entremêlé de l'approche. Donc, notre exposition se diviserait en trois grandes thématiques qui traverseraient l'idée de route qu'on devait aborder dans cette école d'été. Donc, l'idée de route, nous avons décidé de la traiter en fonction d'un premier point d'ancrage qui se situerait dans la première salle pour noter justement cette absence des mémoires sociales des communautés noires au sein de, et je dirais même non l'absence des mémoires, mais bien plutôt l'absence des représentations des mémoires. Donc, le fait, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais c'est qu'elles ne sont pas représentées, qu'on ne peut pas les trouver, à la fois dans les livres d'histoire et aussi au cœur de notre propre institution scolaire. Et la route se continue. On vous a mis un point à la fin, mais ce n'est pas une finalité. Ça aussi, c'est important à prendre en compte, car la route se continue toujours. Elle déborde du musée. Ce n'est pas quelque chose de stable, de fixe, et c'est surtout quelque chose qui se veut pluriel en soi. Donc, il y aurait pu y avoir de multiples routes qui traverseraient l'ensemble de la présentation. Donc, pour passer rapidement à travers les thématiques, nous avons la première thématique historique, donc l'histoire, qui aborderait bien sûr des sous-thèmes qui se voudraient, le rôle de certains individus, les faits saillants, les grands projets. On nomme un projet, par exemple, l'esclavage. Je ne suis pas convaincue qu'on pourrait, que le terme est juste. Mais bref, des moments importants qui ont marqué l'histoire québécoise et tout ça, bien évidemment, en collaboration avec les communautés noires québécoises. Donc, pour vraiment que le choix soit fait à la fois avec le comité scientifique, mais qu'on place les collaborateurs communautaires sociaux comme experts de leur propre savoir, de leur propre histoire que la collectivité québécoise a eu tant tendance à éveiller un peu. Donc, on passerait à travers une seconde étape, un second espace qui, lui, se veut un peu le médian, à la fois entre présence et absence. Par exemple, la thématique expérience de la discrimination, donc on parle d'une présence de la discrimination, mais par exemple, on parle de l'absence de reconnaissance de cette ou des formes de discrimination qu'elles peuvent prendre dans le quotidien, évidemment. Et on approcherait la dernière section, le dernier espace, à travers les réalités contemporaines actuelles, qui tend vers une idée de métissage, d'interculturalisme, de pluralité de la communauté où tout le monde se mêle ensemble. Donc, bien évidemment, à travers ces trois grandes thématiques, l'importance est d'allier
d'avoir une co-collaboration importante, d'avoir vraiment une co-création constante et les intentions plus particulières de chaque thématique, bien évidemment, de refaire, de placer dans l'histoire les moments clés, les faits saillants, la mémoire, les représentations de la mémoire et cette mémoire en tant que telle au sein de la mémoire collective québécoise-canadienne. Mais au niveau du public, ça serait davantage de le sensibiliser sur cette absence, qui est en fait une forme de discrimination. Donc, c'est de partir de cette base-là. L'expérience de la discrimination à travers des thèmes tels que le travail, les réseaux sociaux, le racisme systémique, etc. Donc, là, on est davantage dans l'expérientiel. L'objectif, l'intention, se veut de faire vivre de manière personnelle, intime, ce que d'autres communautés minorisées peuvent vivre dans leur quotidien. Et on finirait par les réalités contemporaines, donc d'entrer davantage dans cet espace qui nous permet un dialogue entre tous, mais de voir à quel point la société est plurielle depuis longtemps et comment tous et chacun peuvent y participer. Donc, les techniques utilisées, on envisagerait de faire participer les gens en livrant des témoignages, en donnant accès à leur parcours de vie, en permettant également aux visiteurs de laisser des témoignages audio et écrits pour contribuer à la mémoire collective qui sera disponible dans l'exposition. Également, il y aura de la lecture, accès à des films, des projections et des documents audio. On entre déjà dans le vif du sujet et vous allez pouvoir comprendre de quoi on parle au fur et à mesure de la construction de cette exposition. Donc ici, on vous présente la première salle, la salle de la thématique historique. Grosso modo, vous êtes le public, vous entrez de ce côté-ci à la gauche de l'écran. Avant même d'entrer dans l'espace qui se veut l'exposition, vous avez un bloc noir qui représente l'endroit où vous allez vous inscrire. Donc tout de suite, on est dans l'expérience. Vous devez participer. En tant qu'individu, marquez votre singularité par votre nom et une photographie qui se fait prendre. Vous êtes pris en photographie. Bien évidemment, il y a la section donc de l'éthique. Est-ce que les gens acceptent les noms? Donc, il y a signature et tout. Et ensuite, les gens acceptent. Ça entre dans un système qui est utilisé tout au long de l'exposition. Ensuite, vous entrez dans une salle qui se veut circulaire. Donc, il y a vraiment deux murs qui partent de chaque côté arrondi, donc de forme circulaire. Un premier point, imaginez-vous que c'est assez épuré, vous avez au sol des pastilles rouges et bleues et une ligne du temps, une seule ligne qui traverse le mur, qui part de le premier point de 1600 et qui se termine à 1960. Donc il y a vraiment un choix de date qui est présenté dans cette première salle. Les pastilles bleues représentent les réalités québécoises. Les pastilles rouges, les réalités un peu plus canadiennes. Donc pour faire une distinction, mais pour englober le Québec dans une réalité plus large. Et donc, l'aspect interactif arrive déjà. On est dans une salle qui se veut à caractère cognitif davantage, mais vous voyez un peu l'expérientiel. L'individu, le spectateur participant, va se placer au niveau de la pastille sur laquelle est inscrite une date et au niveau grâce à un système de détection de mouvement, apparaît sur le mur, nous avons aucun budget. Donc, grâce à ce fameux système, donc sur le mur s'inscrit l'événement ou une description du personnage que, grâce à notre collaboration, nous avons trouvé particulièrement pertinente de retracer dans cette histoire québécoise. Un premier exemple pourrait être en 1605, l'arrivée du premier noir sur le sol canadien qui fut, en fait, Mathieu da Costa, un ancien esclave portugais qui était sur place en tant qu'interprète de Champlain. Donc, vous voyez un peu l'espace. Il y a aussi le niveau, le visuel peut être exploité en même temps que l'audio. Donc, si c'est un film qu'on présente, il y aurait des téléphones qui seraient à la fois présents, des petites boîtes avec des téléphones qui se mettraient à flasher quand on entre dans l'espace avec le détecteur pour entendre le visuel qui vient. Donc, on replace physiquement par la mise en scène cet accent. Parce que dès qu'on sort de l'espace, il n'y a plus de texte sur le mur. Pour finir cette première salle, avant d'entrer dans la seconde qui sera présentée par un de mes collègues, on passe par un couloir qui se veut en fait un espace lexical, donc pour permettre à tout le monde de partir des mêmes bases. Donc des mots tels que discrimination, préjugés, racisme ou encore ethnocentrisme seront définis, seront et bien sûr toujours en collaboration. Donc qu'est-ce que le racisme et qu'est-ce que la discrimination ou encore l'ethnocentrisme et des pistes qui seront ensuite explorées un peu plus tard.
comme ça, ce serait la salle expérientielle, c'est-à-dire dans cet endroit-là. On a voulu mettre en opposition les gens avec la conception qu'on a du Canada comme étant un beau pays, un pays où tout le monde peut réussir, où on est ouvert d'esprit, où il y a le moins de discrimination. Et mettre cette vision-là des choses en opposition avec les alcôves où il y aurait davantage des scènes discriminatoires qui seraient abordées là. Donc, les gens arrivent ici. Au milieu de la salle, on avait pensé à une espèce de luminaire où il y a ces préjugés-là favorables à l'égard du Canada qui sont là. C'est l'endroit par lequel les gens transitent vers les alcôves où il y aurait des scènes plus discriminatoires qui seraient issues des gens de la population, de la communauté noire, qui nous auraient partagé. Donc, par exemple, ici, on a une salle où ça serait davantage sombre. Il y aurait des commentaires qu'on pourrait entendre, des murmures ou des commentaires à l'égard des personnes de la communauté noire qui sont soit discriminatoires ou qui sont péjoratifs. Donc, les gens pourraient se mettre à la place de ces gens-là, réfléchir à ces commentaires-là qu'on dit d'une façon des fois spontanément ou pour faire rire. Également, connexe à cette salle-là, il y aurait une cabine ici où les gens pourraient témoigner d'une expérience vécue. Ce témoignage-là pourrait être entendu à nouveau dans la grande salle ici, dans l'alcôve ici. Donc, un second exemple de cette salle-là pourrait être le profilage racial. On avait pensé, à l'entrée de la pièce, avoir un espèce de détecteur de métal où les gens viennent, seraient invités à passer à travers le détecteur de métal pour venir consulter le contenu de la pièce. Donc, les gens de couleur seraient invités à passer ici, ils seraient discriminés d'une autre façon. Donc, ici, il y aurait un agent de sécurité qui serait là pour aller déranger et un peu harceler les gens pendant leur visite. Donc, il leur dit de se dissiper ou d'enlever l'humain dans leur poche ou leur demander des pièces d'identité pour que les gens soient dérangés par lui injustement pour qu'ils vivent un peu l'expérience discriminatoire. Donc, à la sortie de la salle, on aurait accès au récit de vie des personnes qui nous auraient partagé leur expérience illustrée dans ces alcôves-là. Donc, c'est des partenaires avec qui on aurait désigné l'exposition. Donc, ça, c'est... Voilà. Troisième salle, la fois, on s'est basé sur une phrase que Mme Letty nous a dit, qui était « Le métissage, c'est l'avenir ». Donc, on s'est vraiment... Non, l'avenir, c'est le métissage. Ouais. Mais donc, c'était vraiment la base pour cette salle-ci. C'est sûr qu'en discutant et en faisant nos recherches, on savait que c'était peut-être un peu loin dans l'avenir. Donc, c'est vraiment, si on poursuit avec l'idée de la route, c'est une route qui se continue. On ne veut pas que les gens sortent en se disant la vie est belle, tout se passe bien, mais qu'ils se disent, qu'ils se questionnent à savoir où est, quel est mon chemin à faire vers le métissage au Québec. Donc, on commence. Ici, à l'entrée, on aurait une petite pancarte avec des expressions québécoises comme québécois pur laine, tissé serré. C'est vraiment un des thèmes de cette salle. Parce qu'au centre, c'est une performance où chacun est invité à donner un bout de laine de différentes couleurs. Puis il va y avoir une personne qui est assignée à tricoter. Chacun est invité à donner un bout de laine pour faire partie de la grande écharpe collective pour montrer qu'on fait tous partie du Québec ensemble, un Québec métissé et tissé serré. Mais on sait que c'est pas tout rose. Ça, c'est vraiment pour montrer quelque chose qu'on aimerait pour le futur. Mais comme c'est pas toujours parfait, on a sur le côté des pancartes avec statistiques, informations, toutes des informations qu'on va savoir dans nos recherches scientifiques pour savoir quelle est la vraie réalité des gens au Québec, d'où est-ce qu'ils viennent, vraiment savoir avec les différentes communautés de quoi ça a l'air, etc. Donc ça, c'est des informations quand même plus cognitives qui seraient sur les pancartes. Puis pour l'autre moitié de la salle, il y aurait un écran,
droits de l'homme qui... on n'avait pas de budget. On n'en a pas parlé, mais il y a une des scénettes au centre qui reprend la photo que les gens ont pris au début. Là, on les reprendrait, la vidéo serait en boucle, ils montreraient tant des réussites que des tranches de vie, etc. Puis à la fin du vidéo qui tournera en boucle, on pourrait voir les photos de tous les gens qui viennent voir l'exposition pour ensuite montrer qu'on fait tous partie du Québec ensemble. Et en arrière-plan aussi, pour montrer encore une fois le métissage, dans la salle, il y aurait continuellement de la musique qui joue de tous les styles influencés par les communautés noires. Ce qu'on veut faire par là, c'est renforcer le tissu social, montrer le fait que chacun doit contribuer au métissage à sa façon, sensibiliser le spectateur à l'importance du métissage des mémoires sociales des différentes collectivités. Les enjeux actuels de la discrimination au Québec, ça c'est beaucoup plus sur le plan local. Puis, démontrer comment la communauté noire s'illustre au Québec, ça c'est beaucoup plus sur les écrans. Puis les bases, ça c'est là où les spectateurs vont pouvoir s'asseoir. Est-ce qu'on dit? Là c'est la conclusion. Où tous vont enlever de chemins différents pour rester et prendre un petit peu du lieu commun et ensuite repartir sur vers des endroits différents. C'était très pertinent en fait, d'aborder la question de l'immigration à Québec, dans ces quartiers-là particulièrement, parce qu'on sait que déjà le Canada, c'est un pays d'immigration. On est tous immigrants à part des premiers peuples, mais c'est ça. Dans la ville de Québec, il y a des immigrants provenant de Colombie, de France, de la Yougoslavie, de la Bosnie, Haïti, Allemagne, Congo, États-Unis, Roumanie, Vietnam, Népal, Bhoutan, Syrie, etc. Et en 2001 et 2006, il y a eu une arrivée immigrante très très importante. Donc 3675 immigrants sont arrivés, puis ça c'était avant même la vague des Népalais-Bhoutanais et ensuite des Syriens. Québec veut avoir des immigrants pour contrer deux choses, le vieillissement de la population et la pénurie en main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas un geste qui est aveugle et sans intérêt. On reçoit à Québec des immigrants pour l'immigration économique. On reçoit des immigrants de recoupement familial et on reçoit de l'immigration humanitaire, donc les réfugiés. La ville s'est dotée en octobre 1996 d'une politique d'accueil et d'intégration des immigrantes et immigrants de la ville de Québec. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi on a choisi Vanier? Déjà, le quartier Vanier, c'est le principal quartier d'établissement des immigrants, avec presque 20% de la population immigrante de Québec. Et c'est tout de même avant Limoilou et Saint-Roch qui ont chacun 13%. Vous pouvez voir le quartier Vanier, là, comme il se situe dans la ville de Québec. C'est aussi un endroit où les propriétaires sont plus ouverts à l'immigration, donc ça facilite pour eux de se trouver des logements. Et en 2015, il y a eu la table de quartier Vanier qui a adopté une série de propositions citoyennes pour renforcer les capacités d'accueil et d'intégration des familles immigrantes dans le quartier. Il y a eu, en septembre 2015, donc ça fait un petit peu plus qu'un an, l'ouverture d'un local communautaire Claude Martin qui est vraiment pour les immigrants. Et la table de quartier a recueilli des témoignages de sentiments d'insécurité, de tension, d'inquiétude, d'incompréhension de voisins, notamment entre familles de différentes cultures. Et la table mentionne que, et je cite, « L'arrivée en grand nombre de familles réfugiées d'Asie et d'Afrique ces dernières années semble poser des défis de mixité sociale et culturelle dans certains secteurs du quartier. » Toutes ces informations-là nous amènent à croire que un projet comme le nôtre a vraiment sa place dans ce quartier et va pouvoir aider les résidents dans une démarche d'empathie envers eux. Ainsi donc, l'intention de départ à ce projet, comme vous l'avez entendu, que je veux dire de gazebo de rencontre, est réellement de tracer des horizons communs par la valorisation de mémoires et de récits individuels des habitants et habitants du quartier de Vanier. La volonté est réellement de faciliter les thèmes qui sont les plus importants, celui de cette idée de la rencontre et du dialogue avec l'autre pour se connaître, se reconnaître et s'interreconnaître
fête dans un quartier en fait qui est riche de sa diversité ethnoculturelle. Les objectifs qui traversent ce projet de gazebo de rencontre, dont vous aurez une image à l'instant, sont multiples. Le premier, c'est de valoriser cette idée de diversité des habitants du quartier, de partager, de diffuser des mémoires, des récits qui sont des expériences singulières. Inciter à la curiosité de l'autre pour dépasser les préjugés ou les frontières de cette différence, en guillemets, combattre l'exclusion sociale et favoriser un sentiment d'appartenance. Parce que depuis le début, on insiste sur cette idée du quartier de Vanille. Dans l'idée, et c'est peut-être l'objectif le plus fondamental, c'est de tenter de dessiner des horizons communs d'un vivre ensemble qui n'est pas aseptisé, qui est celui de la rencontre, du dialogue, des conflits et de l'aménagement de possibles communs. Le fil conducteur est donc l'idée de rencontre. La rencontre, comme on le pense, comme un engagement vers l'autre, un pas de plus vers l'interreconnaissance, vers un vivre ensemble qui soit démocratique. La médiation culturelle choisie qu'on va vous présenter, que je nomme jusqu'à maintenant le gazebo des rencontres, est partagée par deux approches. La première est réellement celle affective, dans l'idée de faire naître un sentiment d'empathie, d'écoute, d'engagement envers l'autre. L'espace du gazebo, qu'on vous présentera à l'instant, est une installation qui visera à faire vivre différentes sensations physiques, émotionnelles et psychologiques. Le gazebo est donc un environnement qui sera habité par des ambiances singulières. On en imagine déjà 5, 6 ou 7. Les récits qui seront présents, les récits de vie qu'on aura collectés, qui seront à l'intérieur des gazebos, viseront à se répondre, à être complémentaires et peut-être même aussi en dissonance. Ces récits-là seront appuyés d'une approche cognitive, donc complément d'informations par des textes, des citations, des passages, des représentations iconographiques. Le public cible, c'est effectivement les gens du quartier, dans une logique par et pour, les gens du quartier qui dessinent des horizons communs, mais aussi dans l'idée de faire venir des gens de l'extérieur du quartier, donc peut-être d'autres quartiers de Québec et peut-être même des visiteurs, visiteuses qui viendront s'intéresser à comprendre qui sont les habitants de ce quartier. Bon, comme Stéphanie vient de dire, notre projet vise vraiment à faire vivre aux gens l'expérience de rencontre, qui va prendre la forme d'un parcours libre à travers les différents gazebos. Ça, c'est notre schéma super sophistiqué qu'on a dessiné pour vous. Puis, dans le fond, c'est où il va y avoir un partage de récits, une écoute de récits, dans l'espoir d'engendrer un dialogue qui se situe au cœur des différences des habitants du quartier. Puis, éventuellement, une ouverture vers une idée ou un senti du vivre ensemble. Donc, on va travailler avec une équipe d'architectes, de designers, d'artistes visuels, contextuels, sonores, cinéastes. Aussi avec des gens qui veulent s'impliquer dans le projet, qui habitent à Vanier. Puis donc, eux vont réfléchir à la structure des gazebos qui va varier selon la thématique qui va avoir été ressortie de nos entretiens de groupe. Donc moi, je ne vais pas y aller vraiment en détail sur la thématique parce que ça dépend de nos entretiens, mais je peux quand même vous dire qu'il va y avoir peut-être deux gazebos qui vont porter sur le souvenir. Un gazebo sur le présent et un gazebo sur l'avenir. Qui est celui qui va symboliser l'avenir, ça va être la structure centrale. Puis, ce qui va différencier aussi cette structure centrale-là, en plus de sa taille qui va être plus grande que les autres, c'est aussi sa permanence. Parce que ici, nos installations, bon, on ne les prévoit pas qu'ils vont être assez... Tantôt, ils ne passeront pas l'hiver. Ça va être une exposition saisonnière. Mais celle-ci, tu sais, on a vraiment l'objectif de créer un lieu de rencontre pour les habitants. Puis vu que ça se situe dans un parc, les gens peuvent juste l'investir de la façon qu'ils veulent. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer une ambiance particulière pour chacun des gazebos, puis de créer une expérience qui est vraiment immersive et sensorielle. Fait que dans le fond, on va vraiment essayer de stimuler l'odorat, le visuel, le toucher, l'écoute. Donc, là, si vous voulez vous imaginer, vous pouvez vous fermer les yeux, sinon je vais le décrire. C'est un gazebo, le premier gazebo, un gazebo qui porte le souvenir des gens. Il y a certains murs, disons que les murs sont transparents, on peut voir en dehors, mais il y a aussi des photos de souvenirs, ou il y a aussi des écrans qui montrent des places publiques, par exemple. Puis là, à chacun des postes d'écoute, on entend quelqu'un qui nous parle d'un souvenir, disons, de Belize. Et voilà, c'est tout.
Puis, disons par exemple que quelqu'un nous parle, je ne sais pas moi, d'un mets dont qui lui était cher, puis là, il va avoir des détecteurs de mouvement, puis un odorama qui va diffuser l'odeur. Et de toute façon, on vit le souvenir avec la personne. Donc, cette idée-là d'utiliser les sens, c'est vraiment d'essayer de valoriser une mémoire, mais de partager une histoire, mais qui dépasse les mots, pour finalement toucher l'affect, les sensibilités, puis connecter avec le récit qu'on découvre. Vous pouvez aussi vous imaginer un autre gazebo qu'on rentre, puis que là on entend, c'est vraiment une expérience totale. Donc, disons, de marché. Il y a un autre, on pourrait mettre des récits en dialogue, on entend des voix en surround, des voix qui font écho au contenu de ce que l'autre personne vient de dire, mais aussi qui s'entrechoquent, ça devient un cacophonie, puis là tout d'un coup, silence. Silence métaphorique des histoires qui font pas partie de la grande histoire, puis là après, ça reprend avec une autre rythmique. Puis pour le gazebo central, qui est un petit peu notre symbole, les trajectoires qui se rassemblent vers peut-être un horizon commun, je sais pas, ou des aspirations. Mais on imagine ça plus ouvert, évidemment, on verrait peut-être des jeux de lumière. On pense aussi, petite parenthèse, organiser des événements ponctuels dans cet endroit-là qui n'ont pas un lieu, excusez-moi, qui n'ont pas un lien avec l'exposition dont je parle présentement, mais qui participeraient à la mécanique. Mais ici, vous imaginez, disons, des miroirs au plafond, et là, on se regarde, mais on ne se voit pas nécessairement. Je verrais, par exemple, oui, je verrais d'autres gens, puis c'est un petit peu pour ça que mon identité, finalement, c'est la vérité qui m'entoure, puis elle est multiple, elle n'est pas juste sous forme de diable, puis c'est elle qui nous forme, et bon. Ou un autre dispositif qui pourrait être dans ce gazebo-là, on pourrait avoir une espèce de grand télescope, mais ça serait un kaléidoscope. Puis on aurait les photos des gens qu'on aurait interviewés. Vous savez, c'est quoi un kaléidoscope, là, comme je veux? Un peu dans la même conception identitaire. Puis bon, on aimerait ça que les gens retiennent un peu l'idée qu'à travers la diversité, on peut s'enrichir, apprendre l'un de l'autre, mais bon, tu sais, on espère un peu évoquer l'idée d'un vivre ensemble qui est plus radical que juste être utopique. Voilà. À titre de complément, trois éléments, on pourrait se demander pourquoi un gazebo? Quelque peu, ça a déjà été utilisé. L'idée d'un gazebo, pour nous, représente cette idée de convivialité, de rapprochement, de rencontre. La route qu'on vous a présentée tantôt avec six gazebos illustre cette idée de la route qu'on peut faire seule entre chacun des gazebos et celle vers laquelle on converge à travers un grand espace. Les gazebos en périphérie sont des installations éphémères. Celle du centre est une installation permanente qui viserait à symboliser aussi ces espoirs communs d'un quartier à construire, mais ultimement, un espace où on peut continuer à se rencontrer et à rêver ensemble. La deuxième question, pourquoi les récits? Les récits, pour nous, est une méthode qui permet d'avoir accès à une expérience familière, à un savoir expérientiel, à des mémoires qui sont encore invisibles. Et justement, d'amener à une prise de parole et à une démarche de mise en œuvre émancipatrice d'une certaine façon. Et pourquoi le parcours sonore qui a été illustré tantôt? Non, je ne vous ai pas parlé du parcours sonore. Je m'excuse. C'est un peu la même fonction que les autres gazebos, mais c'est pas la même forme. C'est un parcours qui serait dynamique, qui illustrait un petit peu l'idée de trajectoire singulière qui vient rejoindre un tout commun. Mais ça serait aussi pour favoriser, ben, je ne sais pas si tu allais le dire, mais l'idée à l'appartenance au quartier. Parce qu'on aurait différentes stations où il y aurait un téléphone, une installation avec un téléphone. Parcourrait le quartier de la nuit. Puis on décrocherait, on proposerait le numéro, puis on entendrait quelqu'un, un habitant, qui nous raconte un souvenir ou qui nous expliquerait pourquoi ce lieu dans lequel on se trouve, que l'installation, est important pour lui ou pour elle. Donc, à la fois dans le gazebo et à la fois dans le parcours sonore, il y a cette idée de route qu'on fait seule, celle qu'on fait avec d'autres, et à travers cet espace qui est le quartier qu'on partage. Alors, nous, on est très attachés à avoir une approche collaborative dans notre exposition. Parce que c'est les habitants du quartier qui fournissent le contenu, qui vont porter l'expo avec nous et qui vont venir la voir. On avait identifié quelques partenaires possibles qui sont l'Université des civilisations, l'université, des écoles primaires,
et surtout des groupes communautaires qui travaillent avec des immigrants, qui sont la Ruche Vanier, le local communautaire Claude Martin, dont on parlait tout à l'heure, le Centre Rire, par exemple. Donc on est attaché à pouvoir construire une équipe pluridisciplinaire, donc avec historiens, anthropologues, sociologues, politologues, des psychologues, des interprètes, des travailleurs sociaux aussi, qui travaillent avec nous. L'idée, ça serait de publiciser l'idée de cette exposition dans le quartier, dans des lieux de vie, pour faire venir les habitants. Et ensuite, d'organiser plusieurs assemblées à laquelle seraient conviés les habitants, l'équipe du projet et également les artistes qui vont participer avec nous, donc designers, artistes sonores, techniciens audiovisuels, etc. Donc en fait, après la première assemblée qui servirait plutôt à présenter le projet, et à en discuter ensemble et à poser des bases communes, on pourrait procéder à la réalisation d'entretiens. Donc nous, on était partis sur une trentaine, une quarantaine d'entretiens, avec en plus deux focus group qui permettent d'avoir une autre vision des récits de vie, qui sont plus dans le dialogue ou dans le débat. On voudrait s'attacher à être assez diversifié sur les parcours migratoires des personnes, sur l'âge, sur l'orientation homme femme, avoir différents niveaux de scolarité, différentes origines, etc. La deuxième assemblée, elle servirait à présenter le concept préliminaire de l'exposition avant de pouvoir la monter avec les artistes, etc. La troisième, ça serait la présentation de l'exposition une fois montée. Et il y aurait là une validation de la part des habitants qui ont fourni leur récit pour vérifier si dans le montage la signification du récit n'a pas été changée. Faire les changements demandés ou améliorer ce qu'il y aura à améliorer. Et on voudrait, donc, après l'exposition, à la fin de l'été, on va dire, avoir une assemblée pour avoir un retour sur l'exposition et parler des retombées de l'exposition sur le quartier. On a imaginé un petit peu les axes des entrevues qu'on pourrait avoir, c'est des entrevues semi-dirigées qui sont basées sur le thème du vivre ensemble. Alors les axes, ça serait donc dans le souvenir, demander aux gens leurs souvenirs qu'ils ont dans le quartier, mais aussi les souvenirs qu'ils ont chez eux, là d'où ils viennent, de quoi ils sont nostalgiques là-bas, quel vivre ensemble ils vivaient avant. Dans le présent, on voudrait s'intéresser un peu à l'arrivée, donc qui a pu les marquer le plus à l'arrivée, qu'est-ce qui était différent, qu'est-ce qui était similaire, aussi s'ils ont vécu des discriminations en arrivant ici. Et sur l'avenir commun, on aimerait s'interroger sur leurs idéaux de vie, que ce soit individuel ou familial. Si certains ont un retour ou des trucs qui voudraient créer le quartier, on voudrait pouvoir un peu connaître les raisons de cette volonté. Quels besoins ils ne trouvent pas satisfaits dans ce quartier, qu'est-ce qu'ils se souhaitent pour leur famille, pour leurs enfants, pour eux-mêmes dans le quartier, avec l'idée de pouvoir garder aussi toutes les données qui seront identifiées, surtout sur les besoins, pour pouvoir les partager avec les institutions qui pourraient éventuellement créer des programmes dans le quartier plus aboutis pour le futur. Puis, c'est ça pour notre projet. Pour le retour critique sur notre expérience, ben d'abord, on a trouvé que c'était que faire un processus de création collective ensemble à partir de nos formations différentes nous a vraiment permis d'apprendre à se connaître et d'apprendre à penser ensemble. Un petit peu à l'image du Cafro Gératoire qu'on a montré tantôt, qui a été le cœur de ce que nous, du projet collectif qu'on a fait ensemble. On avait un peu l'image de, on arrive tous de départements, de vies différentes, puis on s'échange un peu nos formations pour ensuite repartir chacun sur notre niveau. Sur la création collective, là, tout le monde a dit des trucs super positifs. Nous, on a des critiques constructives. donc, on trouvait que ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup de paramètres fictifs, un peu flous dans l'idée de faire quelque chose de co-créatif, mais ils ont manqué un petit peu de contact avec la réalité puis avec le milieu. Donc ça, pour nous, ça a été un défi. Aussi, on a trouvé très intéressante la présentation de Dany
mais on a pensé à toi, qu'on s'est dit, mon Dieu, il a dû être obligé de répéter des millions de fois dans toutes les équipes les choses qu'il nous a présentées lundi parce que, écoute, on l'a dit quand on a commencé à le faire, on n'avait pas vraiment l'image, on n'avait pas vraiment une idée de ce que c'était. Donc on se disait peut-être que ça aurait été pertinent ou de mettre la présentation un petit peu plus tard ou de refaire une espèce de table ronde de questions collectives pour qu'il ne soit pas obligé de répéter ce stade de qu'est-ce que c'est un objet, puis qu'est-ce que c'est un scénario. Sur la semaine, on aurait peut-être apprécié que les présentations et les temps de travail soient répartis plus équitablement sur la semaine. On avait pensé à peut-être une formule AM présentation, PM travail d'équipe. Comme ça nous aurait permis d'avoir un peu un recul sur nos projets parce que là, on le fait encore très, très condensé. Ça a aussi ses forces, mais des fois, avoir du recul sur quelque chose, ça nous permet d'avoir on aurait vraiment voulu avoir un moment prévu pour les visites de musée parce qu'on a accès à un musée, on a accès à des expositions, mais on manque de temps pour y aller. On est un petit peu déchiré entre faire la création collective ou aller voir l'exposition, puis on fait ça vraiment difficile. Et pour terminer, je voudrais prendre le temps de dire un énorme, énorme merci pour le soutien et la disponibilité et la qualité des personnes ressources auxquelles on a eu accès et du confort des locaux, de comment on a pris soin de nous, comment vous avez vraiment eu à cœur de créer toutes les dispositions, les conditions dont on avait besoin pour bien travailler, pour apprendre. Vraiment un énorme merci. C'est un autre événement. En fait, on est un organisme qui regroupe des artistes et des chercheurs et qui est affilié au Centre d'amitié autochtone de Québec. Notre rôle, c'est de développer le volet culturel de cet organisme Centre d'amitié autochtone et de faire le lien avec les institutions sociales et culturelles du Québec. Donc, on va proposer des projets de médiation culturelle. Et le projet qu'on va vous présenter, pour vous situer un peu, c'est on va partir des faits qu'il y a une forte présence autochtone au milieu urbain, qui est souvent méconnue. Donc, on parle de 70% des membres des Premières Nations et Inuit présents au milieu urbain. C'est 16 fois plus qu'en 1980. De ces 70%-là, il y en a 30% qui se partagent Québec et Montréal. Donc, il y a quand même une différence entre ces deux villes, je reviendrai un peu plus tard, mais c'est quand on est dans les chiffres, en fait, je vais parler aussi de la population flottante, qui est plus difficile à estimer puisqu'elle se déplace, en fait, que ce soit de communauté en milieu urbain, de milieu urbain en milieu urbain, de milieu urbain en communauté. Et on estime que cette population-là se compte entre 15 000 et 20 000 habitants, individus. Pour revenir donc, à Québec. Là, on va parler de la grande région de la ville de Québec parce qu'on inclut Wendake aussi. Cette région-là correspond en fait à un carrefour transitoire pour les membres des Premières Nations et Inuit. La région de Québec a offert un lieu de service et de formation. On pense notamment au centre de formation de la ville tamérindienne de Wendake. Dans la ville de Québec aussi, il y a une grande méconnaissance de ses habitants concernant les réalités des droits et des conditions de vie des Autochtones qui se trouvent donc hors réserve. Notamment, sans faire de grosses généralités, il y a des problèmes d'itinérance, des difficultés d'intégration dans le milieu urbain, la discrimination, des problèmes de sous-logement. En plus de ça, les gens oublient très souvent que l'État considère les membres des Premières Nations Inuit comme des pupilles. Donc ça vient teinter directement leur prise de parole et leur prise de parole. Donc nous, en fait, c'est dans cette optique-là, dans cette conscience-là, qu'on a voulu leur donner justement la possibilité de s'exprimer. Et notre organisme, entre autres, privilégie plutôt les médiums artistiques. Donc on considère que ça facilite la transmission des savoirs, mais ça permet aussi d'aller au-delà. Donc, nos objectifs, vraiment, du projet, j'ai laissé le grand texte, en fait, parce que
on a vraiment beaucoup débattu pour les mots qu'il fallait utiliser, puis aussi des questions de vraiment représentants, on ne voulait pas dire autochtones, mais bien membres de Première Nation, membres de Première Nation ennemie. Donc ce qu'on veut faire, c'est rendre visible la contemporanéité et la complexité. Quand on dit complexité, c'est la diversité des trajectoires qui en fait qui se retrouvent en milieu rural. Donc cette complexité-là de la France de Colombie dans la grande région de Québec, on est venu à qui est sûr. Cet objectif-là se divise en deux volets, stimuler la création, favoriser la transmission des connaissances, la professionnalisation des participants et l'expression de la communauté autochtone de la région de Québec. En plus de ça, on veut sensibiliser et éduquer le grand public à sa présence autochtone afin d'élargir la mémoire sociale de la ville de Québec. Alors, je vais présenter le concept de notre projet. Pour être conséquent avec les objectifs qu'Élie vient de nous présenter, notre concept met avant tout l'accent sur le processus, sur l'idée de participation et d'implication des membres des communautés des Premières Nations et des Inuits qui vivent dans la région de Québec. Alors ici, on a un magnifique schéma qui vous permet de bien comprendre la relation de travail entre les acteurs impliqués dans le processus. Le cercle rouge, c'est notre organisme qui permet de mettre en contact artistes, facilitateurs et participants, co-créateurs, qui vont participer sur une base égale à la co-création d'un événement culturel. Mais nous, on met à leur disposition des ressources matérielles, mais aussi informationnelles sous forme de personnes ressources externes. Ça peut prendre la forme d'historiens, d'anthropologues qui vont donner des compléments d'informations aux participants pour les aider. C'est possible, la personne ressource, ça peut aussi être, c'est aussi de leur choix. On propose des choses, bien entendu, c'est formidable. Alors, pour que ce projet puisse voir jour, bien entendu, on doit solliciter des partenaires. Dans un premier temps aussi, pour trouver des participants qui seraient intéressés à s'impliquer dans ce projet-là. On l'a dit, on est affilié avec le Centre de la musique autochtone pour développer le volet culturel. On va aussi contacter le Centre d'hébergement aux femmes missionnaires dans la ville de Québec, le Centre de formation d'adultes amérindiens qui se situe à Rodelaguet, le Cercle de Kizis qui travaille déjà autour de la diffusion des cultures autochtones dans la ville de Québec, qui vient d'émerger il y a quelques années. Et puis également l'association des étudiants autochtones de l'Université Laval. Donc tout ça, c'est pour éventuellement avoir un groupe de participants aux alentours de 10 à 15. La deuxième partie, ça serait, et non de moindre, c'est celle qui permettrait aussi de rendre possible le projet, c'est d'aller mobiliser en fait des institutions culturelles de la ville de Québec, qui existent déjà, pour agir à titre de personnes ressources, mais aussi pour faciliter le processus de création et sa mise en place dans la ville de Québec. Donc on a, pour ceux qui ne les connaissent pas, on a dans la coopérative Médus, qui Recto Verso qui travaille dans les arts multidisciplinaires, Spira qui travaille avec une coopérative de cinéma indépendant qui permettrait que le projet soit filmé, on en parlera un peu plus tard. La troupe de théâtre autochtone au Dinoc qui est située à Montréal mais qui viendrait aussi donner des ateliers de formation aux co-créateurs. Ex Muro qui travaille dans la ville de Québec dans l'art de Coupin, dans la manifestation d'art dans les rues. Et l'Office national du film qui viendrait à son tour compléter le volet documentaire qu'on veut donner au projet. Et enfin, super important, constituer un noyau d'artistes facilitateurs, à la fois autochtones et allochtones, qui viendrait vraiment s'insérer dans le projet à toutes les étapes afin d'amener à l'événement final, si on va parler. Alors, l'éthique de co-création. Nous, on croit que c'est bien important d'expliciter à tous les participants qui vont être présentés, aussi aux acteurs qui vont être impliqués dans le processus, notre éthique. Et bien la décliner, pour que ce soit bien clair dès le départ, aussi de savoir cette éthique-là, elle va être négociée constamment avec les participants pour tenir compte de leurs préoccupations. Donc ici, à titre indicatif, on donne les bases de ce qu'on. Des principes de l'organisme au niveau de l'éthique, l'égalité et la réciprocité. C'est-à-dire que chacun est égal et chacun peut partager sur une base égale son expérience individuelle, son parcours,
ça va être également pris en considération. C'est aussi de dire qu'il y aura un partage des responsabilités dans le processus de création entre les acteurs fonctionnels. Contrôle du processus de co-création, il va y avoir des mécanismes en place pour que tous aient leur mot à dire sur le processus de création, de fixer les échéanciers, de déterminer la langue de travail qui va être utilisée. Les objectifs, par exemple. Oui, exactement. Déterminer les objectifs qu'on va atteindre individuellement et collectivement dans cette démarche-là. Propriété accès aux données créées par le projet. Ça, c'est important. En fait, on s'est inspiré des codes d'éthique qui existent déjà quand on travaille avec les recherches, avec les communautés autochtones. C'est important de comprendre qu'il y a une propriété du patrimoine matériel et immatériel qui est collective. Donc, nous, dans notre projet, tout ce qui va être créé dans le projet va être une propriété de la collectivité qui le crée. Enfin, un principe élémentaire dans le code de mon code d'éthique, le consentement libre et éclairé à toutes les étapes de chacun des participants. C'est des principes qu'on amène au début mais qui peuvent évoluer, qui sont flexibles. Juste pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce que c'est ce processus sur le temps, encore une fois, on a dit ça peut terminer et déterminer. Donc ça peut aussi bien se trouver sur 6 mois que sur un temps plus rapproché, dépendamment des disponibilités de chacun des participants pour réussir à l'organiser. Donc c'est tout le défi de ce projet. Mais plus concrètement, en gros, ça se diviserait en 3 étapes qui seraient, donc, comme on l'a dit, à chaque fois accompagnées par ce petit schéma, donc d'un travail conjoint entre les participants, les co-créateurs, les artistes facilitateurs, puis les institutions qu'on a contactées pour nous aider dans ce projet. La première étape, ça serait donc une étape d'abord avant tout de partage, de discussion, donc un peu sous forme de rencontre entre les participants. Pour évoquer bon, d'abord les trajectoires, les mémoires de chacun, donc un espace de récit individuel, fait de façon collective, qui pourrait être facilité au début, parce qu'il faut aussi faciliter la prise de parole, c'est pas toujours évident, qui pourrait être facilité par des ateliers qu'on organiserait, qu'on proposerait ou qui serait proposé par eux. On avait pensé par exemple à une visite, par exemple une exposition C'est notre histoire, au musée de la civilisation. Qui pourrait amener à réfléchir un peu sur la représentation des autochtones hors réserve, hors communauté, qui est faite ou non. Donc, à partir de ça, donc, de constituer davantage de réflexion. Deuxième étape, là, on rentre dans un processus qui est plus rapproché, qui sollicite peut-être plus davantage les artistes qu'on a contactés. Et là, en fait, on essaie collectivement de sortir des trajectoires individuelles pour commencer à constituer l'écriture d'un mythe collectif. On a pensé au mythe collectif, c'est très large, hein, on peut l'interpréter un peu de différentes façons. Mais parce qu'en général, les mythes sont utilisés dans bien les sociétés pour être capable en fait, de donner sens au réel, de faire sens au réel, de questionner le réel, de questionner les trajectoires éventuellement dans notre projet. Et puis c'est aussi en fait permettre aux participants de créer un espace de liberté aussi, des réinterprétations de leur propre trajectoire, de leur vie. Donc c'est penser en commun comme leurs histoires et d'en faire quelque chose de racontable au public de l'Est du Québec. Donc c'est un gros défi, mais bien entendu, les artistes qui travaillent, notamment les artistes autochtones qu'on a contactés, ils travaillent autour de ces questions-là. Ils travaillent autour du mythe, puis de l'oralité, puis de la performance. Donc je pense que cette étape sera vraiment tissée serrée avec nos artistes qui les aideraient dans ce processus-là. Et enfin, dernière étape, qui est celle donc, qui précède l'événement dont on va parler, ça serait davantage la transcription de cette écriture, de ce mythe, en un parcours. Donc là, on va chercher vraiment plus des compétences de l'ordre de la direction artistique, de la scénographie. Donc peut-être aussi d'autres artistes qui sont plus axés sur ce milieu-là. Et on arrive effectivement à l'événement. Donc pour la réalisation, nous c'est certain qu'on va laisser pour que la grande majorité va se déterminer par le processus classique, mais on aurait quand même dans l'idée de créer un parcours. Donc notre élément de parcours se situerait dans différents lieux significatifs de la ville de Québec, qui seraient déterminés dessus dans le processus de création, pas les acteurs de ce processus. Par exemple, l'événement général se déroulerait 3 soirs,
le premier centre pourrait être à Limoilou, près de la direction Charles. Le second, dans les environs de Charlemagne. Et le troisième, à Sillery, par exemple, près de la maison des Jésus. Plus précisément, en fait, donc, si on fait un zoom, par exemple, le deuxième soir, dans les environs du Parlement, on voit que ça serait comme un parcours d'ambulatoire, un sentier performé, parce qu'on peut vraiment axer ça sur la performance du mythe collectif. Donc, par exemple, on suggérerait que c'est qu'il y a un an, puisque le mythe garde cette notion de narration, mais encore une fois, ça restera déterminé dans le processus. Donc, ça serait en participation, les parcours sont déjà en participation. Alors, on a jugé essentiel de donner un deuxième niveau de lecture au parcours qu'on vient de vous proposer, parce que d'emblée, en passant par le moyen du mythe, on tombe rapidement dans le métaphorique, la représentation symbolique des mémoires, des trajectoires individuelles. Alors, pour revenir à ce premier niveau, on propose un web documentaire qui va être disponible en ligne, où tout le processus créatif va avoir été documenté à chacune des étapes, où les trajectoires individuelles vont avoir été aussi bien documentées. Il va être accessible sur le web et accessible pendant le parcours par des bornes avec des codes QR. Donc les personnes avec des smartphones vont pouvoir accéder directement à la capsule du documentaire qui concerne le tableau qu'on voit devant soi. Ça donne ici un deuxième niveau de lecture. On a aussi l'idée, en mettant les codes QR sur des bornes, de laisser des traces qui pourraient être là avant et après l'événement, pour bien montrer qu'on occupe les lieux, qu'on occupe l'espace et qu'on rend visible les autochtones dans les villes.